Sur Melbourne, c'est la fin du printemps, le début de l'été, mais on a de leur club pour aller disputer la finale de la Coupe Intercontinentale. Dugarry, en ses premiers instants, Candela, Zidane, bien fait, Dugarry. Les joueurs australiens qui restent bien en place, il a fait du mieux. Carambeu. Oui, Makelele qui s'est infiltré et qui bénéficie beaucoup au Real Madrid, mais heureusement qu'il y est, parce qu'autrement, dans le milieu de terrain du Real, il y aurait des boulevards. Allez, Zinedine Zidane, à l'intérieur de la surface de réparation pour le premier corner. Premier corner, après 3 minutes de jeu, pour desquelles les Australiens n'ont pratiquement pas touché le ballon. Il peut y avoir danger là sur le but de Schwarzer. Eh bien, oula, attention, parce que dans ces cas-là, l'arbitre qui est bien sûr une formation britannique ne sifflera pas, il a été chargé. Deuxième poteau, dégagement de Murphy et bon contrôle, récupéré. Bon contrôle, très bon contrôle de Claude Makelele. Zidane. Passement de jambes, non même pas, allez. Dugarry, Leboeuf. Pour déposer ce ballon. Makelele. Les Vieira, Zidane, et pour Dugarry. Il attend un petit peu de soutien, c'est ce qu'il fait. Zidane. Zidane pour Trezeguet, un petit peu accroché, il a pris le devant, bonne frappe, dégage. Zidane avec Dugarry. Jojo Zidane, deuxième poteau, il y a Candela. Tout de suite, et on va voir que sur la tête plongeante, David Trezeguet est en position. Barthez. Zidane. Zidane. McEwell. Beaucoup de talent dans ce QL. On le sent chaque fois qu'il touche le ballon. Zidane. Bien fait, Trezeguet, Zidane à nouveau. Et puis à 9m15 pour l'instant. Pas se déconcentrer sur ces ballons faciles. Candela, Dugarry, Zidane, c'est bien fait. Là, il est dans les 16m50. Ah, Leboeuf, Zidane. Toujours ce petit contrôle. Candela. Zidane. Oui, c'est bien. Il faut s'appliquer pour la tête de David Trezeguet. Non. C'est pas fini. De l'entraîneur de, sur TF1.fr, que vous pouvez aligner une équipe aussi prestigieuse que l'équipe de France, que vous voyez évoluer depuis maintenant un petit peu plus d'un quart d'heure. Ça ne s'arrange pas avec cette possession de balle pour Vieira et Zidane. Zidane dans l'axe, ça peut être dangereux cette affaire là. Oui, le passement de jambes, elle n'est pas arrivée assez vite. Oui, sur Pierre, et sur Pierre, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien parti. Zidane, là c'est au-dessus. Français qui a contré la frappe de Trezeguet. Ou si c'est un Australien. Vous n'avez pas le droit d'avoir un parapluie. Non, ça c'est pour des raisons très obscures. Et ça fait deux fois qu'il vient. Je ne sais pas s'il y a un petit problème de drainage, mais ça glisse énormément. Kelele, Zidane. Candela. Zidane. Trezeguet. Un peu tout ça. Zidane. En contre. Zidane. À gauche. Opposite. Il y a eu un. Zidane. Marqué un but. Zidane. Dugarry. C'est là que peuvent négocier les Français. Zidane. Peu importe. Makelele. Zidane. Pires. Zidane. Il y a beaucoup de solutions. Si c'est le long de transversal, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Oh, ah, que c'est mal. Bien joué. Non, a dit monsieur l'arbitre. Il était tout prêt. Zidane. Zidane.
débloquer les compteurs avant la mi-temps. Zidane. Le contre est favorable. Vieira, Zidane sur le côté, Le Boeuf, Zidane. De presse, c'est l'un des joueurs qu'il craint le plus de l'équipe d'Australie. Et le duel Emerton-Candela devait être tout du tout pour Zidane et ses petits camarades. Trezeguet. Dans le mauvais sens, la balle. Zidane. Nouveau corner. Zidane. Kelele. Pascal, vous nous prévenez. Zinedine Zidane. Allez, il va falloir frapper maintenant. Non. On est sûr du nombre de buts de David Trezeguet, Thierry. Ce serait intéressant au cours des deux ou trois dernières saisons. Mais le juge de touche l'a donné aux Français. Allez, provoquer un petit mécontentement du côté des maillots verts. Allez, Christian. Zidane. Allez, Axel. Zidane. Il a passé en taclant. Le médecin Jean-Marcel Ferret qui peut-être va nous dire un mot. Jean-Marcel, juste un mot pour nous rassurer peut-être. Le genou. On va regarder. C'est trop dur. On va regarder. L'arrière latéral droit de cette équipe d'Australie. Zidane. Todd. Il n'a pas trompé Makelele, Zidane. Personne. Il attend l'aide de Candela. La bonne habitude de marquer lorsqu'il entre en cours de match avec l'équipe de France. C'est française. Zidane. Emerton justement. 75-25 et qui sont passés à 65-35. Enfin, et Lazare il dit c'est là, hein, qui a eu. Là, je dis des bêtises. C'est pas qu'il a quelqu'un d'autre. Skoko est là, Ocon est là. Mira. Zidane. Mira. Zidane. Avec Pires, Carrière, Zidane. Carambé tout seul. Bogossian qui rentre. Retour sympathique d'Alain Bogossian en équipe de France.